Bonsoir à tous, c'est Emeric de The Link FWI. Mercredi matin s'est tenue à l'espace régional du Rizé la conférence de presse de la 21e édition du Festival Terre de Blues de Marie-Galante. Ainsi, après 3 ans d'absence, le plus grand festival de musique des Antilles françaises a signé son grand retour, pour le plus grand plaisir des mélomanes d'ici et d'ailleurs. Retour en images. Alors, le Festival Terre de Blues revient après 3 ans, j'ai envie de dire enfin, parce que c'est vrai que pour nous à Marie-Galante, il est très important de faire vivre ce festival. Vous l'avez bien compris, vu l'engouement que vous montrez pour ce festival, vous avez compris que ce festival est un vecteur économique, le deuxième vecteur économique de l'île, puisque nous avons bien sûr tout ce qui est agricole, mais nous avons aussi l'économie touristique. Et nous comptons beaucoup sur ce festival qui a permis de remettre en lumière Marie-Galante depuis maintenant 21 éditions. Alors, vous avez compris que tous les Marie-Galantais comptent sur ce festival. Je l'ai dit, de façon économique, les loueurs de voitures, les hébergeurs, les restaurateurs et bien sûr les Marie-Galantais qui, que vous connaissez en venant à Marie-Galante. Le choix du parrain, et c'est vrai que quand j'ai soumis à la présidente de l'office, le choix du parrain, je crois que son conseil d'administration a été unanime pour accepter, puisque M. Pierre-Édouard Desmus a été à la naissance même, et il le dira, de ce festival. Donc je crois qu'il était temps de le remercier, de l'honorer. C'est ce que nous avons choisi de faire aujourd'hui. Le festival se tient, cette 21e édition, du 26 au 29 mai. Tout est déjà bouclé, mais sachez que nous avons ouvert des campings. Vous pouvez encore être sur les campings. Le Festival Terre de Blues de Marie-Galante, vecteur économique, je l'ai dit, le Festival Terre de Blues de Marie-Galante, essentiel à la vie même de l'île. Que vous dire de plus? Je crois que plus d'un l'ont compris. Après, je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Parce que vous dire de plus? Nous comptons sur vous, nous comptons sur vous pour retracer. Alors, ça, c'est vrai qu'il faut bien comprendre que le Festival de Marie-Galante n'est pas qu'un festival de musique comme il s'en tient ailleurs. C'est le festival de Guadeloupe. Mais plus que tout, il a une âme. Il retrace la venue de l'esclave. Nous faisons fort de toujours avoir un artiste d'Afrique, un artiste des États-Unis et un artiste de la Caraïbe. Cette année, ça tombe bien puisque le 27 mai se tient pendant la commémoration de l'abolition de l'esclavage, se tient pendant le festival. Et nos associations se sont engagées à faire vivre cette commémoration et on vous invite tous à y participer. Donc, ce n'est pas qu'un festival de musique, il faut bien le comprendre. Le festival de Marie-Galante a une âme, l'âme marie-galantaise, et on vous demande, quand vous venez, de le comprendre et de le partager avec nous. Bonjour Madame Edson. Donc aujourd'hui c'était la conférence de presse pour Terre de Blues de Marie-Galante. Le festival est de retour après 3 ans d'absence du fait de la pandémie de Covid-19. Est-ce que les Marie-Galantais sont prêts à recevoir tout ce public? Alors vous pensez bien qu'après la 21e édition, oui, nous sommes prêts, nous sommes plus que prêts. Depuis un moment maintenant, les Marie-Galantais se sont appropriés le festival. Autant les premières années, c'était compliqué. Mais maintenant que nous en sommes à la 21e, ils se sont appropriés le festival. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, nous avons des before organisés par des privés, nous avons des afters. Ce n'est pas que la partie sur Murat qui fait le festival. Et c'est ça toute la différence du festival Terre de Blues avec les autres festivals. Quand vous allez à Sainte-Lucie, vous n'avez que le festival. Alors nous avons compris que l'intérêt, c'est de capter tous nos invités. Et donc, nous avons des before, des afters. Et ce sont 3 jours de liesse non-stop qu'on vous offre. Et quel que soit l'endroit de Marie-Galante où vous allez, on vit le festival. D'accord. Et est-ce que la crise Covid a impacté le territoire de Marie-Galante? Mais bien sûr, comme partout. Alors c'est vrai qu'à la première vague, je m'étais fait fort avec mes collègues maires de Capesterre et de Saint-Louis de fermer l'île. Donc nous n'avons pas été impactés lors de la première vague. Ça nous a valu le tribunal administratif, etc. Mais ça, c'est une page qui est tournée. Nous avons été impactés comme toute la Guadeloupe, puisque oui, mais peut-être un peu moins, parce qu'à Marie-Galante, la première vague nous a permis d'éduquer notre population. Nous avons distribué 6000 masques gratuitement à notre population. Nous avions arrêté les bateaux. Nous n'assurions que les évacuations sanitaires. Donc effectivement, peut-être que nous avons été un peu moins impactés que le reste de la Guadeloupe. Mais quoi qu'il en soit, c'est une période finie. Maintenant, tout le monde sait ce qu'est le Covid. Tout le monde prend les précautions quand il se doit, quand vous êtes en présence de personnes âgées. Et c'est vrai que j'invite
tous les festivaliers, quand vous allez près des personnes âgées, gardez au moins les distances si vous ne portez pas les masques, parce que le Covid est encore là, et là c'est le médecin qui parle, le Covid est encore là, il faut quand même encore faire attention à ne pas sacrifier nos parents et nos grands-parents. Merci beaucoup, donc merci à vous d'être là, et puis surtout de nous accorder cet intérêt régulièrement renouvelé sur notre événement du Festival de blues de Marie-Galante. L'Office du tourisme de Marie-Galante que je représente est vraiment heureux de pouvoir faire redémarrer, repartir cet événement, qui est un événement important, structurant pour l'économie de Marie-Galante et en particulier pour le tourisme, puisque c'est un événement qui mobilise vraiment tous les acteurs de la branche. Donc, Madame la Présidente a commencé à l'évoquer, donc les loueurs de véhicules, les hébergeurs, les restaurateurs, etc. Et sur cette édition-là, nous avons vraiment travaillé à ce qu'il y ait vraiment le plus grand nombre qui puisse être investi sur cet événement-là, et notamment nos restaurateurs, puisque nous avons augmenté le nombre des restaurateurs qui seront amenés à proposer donc des prestations, donc des concerts autour du Happy Monday. Donc un événement heureux pour nous, qui était absent depuis trop longtemps, et il était important de trouver effectivement donc un thème qui d'ailleurs à un moment donné avait été proposé, que nous avons repris et retravaillé. Donc il s'agit donc de la question donc de l'identité, de la transmission de cet événement. Et comme la présidente l'a dit tout à l'heure, lorsqu'elle nous a proposé la candidature du grand monsieur Pierre-Édouard Décimus, c'était une évidence pour nous que ça soit lui, parce qu'on avait pour une fois donc la chance d'avoir à la fois un parrain et un père, un papa, puisqu'il est effectivement à l'origine de cet événement, et on sait ô combien il compte et ô combien il est important pour la musique antillaise, de façon générale, donc on parle du zouk. Bonjour Madame Ginabel, donc après Bonjour. 3 ans, le Festival Terre de Blues signe son grand retour, pour le plus grand plaisir des mélomanes. Est-ce que les Marie-Galantais sont prêts? Marie-Galante est prête. Marie-Galante est prête à recevoir tous les festivaliers. Nous avons donc tous nos hébergeurs, les loueurs de véhicules, les restaurateurs et puis surtout toute la population qui en attend de cet événement depuis maintenant plus de 3 ans. Voilà. D'accord. Et quelles sont les activités proposées tout au long du festival? Alors, sur le festival, vous avez d'abord les concerts qui sont prévus sur Murat. Et vous avez également une programmation sur le off et puis des animations toute la journée sur le village qui se tiendra donc au cœur de Grandbourg, donc dans le centre de la ville de Grandbourg. Et puis une journée du Happy Monday le lundi qui sera soutenue par l'organisation auprès de certains restaurateurs qui vont recevoir aussi des petites animations. Le dernier lundi. Quelles sont les nouveautés ou les similarités par rapport aux précédentes éditions? Alors, tout est similaire par rapport aux autres éditions. Nous avons en plus donc une résidence d'artistes qui sera tenue sur cette période-là. Ça nous tient effectivement à cœur. Et puis, voilà, pour l'essentiel, au niveau des nouveautés que nous avons. Une question un peu plus sanitaire. Est-ce que la crise Covid a fortement impacté le territoire de Marie-Galante? Le territoire a été impacté comme partout ailleurs, parce que c'est un événement qui a impacté tous les territoires de façon globale, à l'international. Marie-Galante encore plus, puisqu'on connaît notre problématique d'insularité renforcée, j'ai envie de dire. Mais quand même, nous avons su tirer notre épingle du jeu, parce qu'il faut toujours transformer ce qui pourrait nous sembler être négatif en positif. Et bien aujourd'hui, vous avez des Guadeloupéens qui, tout à fait naturellement, des Martiniquais, viennent en séjour plus souvent à Marie-Galante. Donc nous bénéficions de façon naturelle
de ce changement en fait de paradigme et de comportement des voyageurs, des touristes, des visiteurs qui aujourd'hui essayent de se concentrer sur les îles proches. Enfin voilà, on ne voyage pas trop loin, les billets d'avion sont très chers et aujourd'hui on découvre qu'à Mayotte, effectivement, on peut passer de vraies vacances et pas juste venir 24 heures. Et en termes de programmation, quelles sont les têtes d'affiche principales? Alors, nous avons Youssou N'Dour, le roi de la musique populaire sénégalaise, qui nous permet d'ancrer, si vous voulez, l'événement sur ses origines du blues, donc de l'esprit du blues des Trois-Saint-Louis, donc d'abord Saint-Louis du Sénégal, donc nous avons Youssou N'Dour. Nous avons toujours sur le continent africain Yemi Alade, qui est très connu, très suivi, très moderne, donc on essaye de répondre un peu aux attentes de chacun et de toutes les catégories d'âge, puisque c'est un festival qui est ouvert à toutes les catégories d'âge. Nous avons des artistes locaux aussi qu'on essaye de mettre en avant, tels que Florence Napri, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une artiste qui a été très présente ces dernières années malgré la crise sanitaire. Zori Génération Zouk, Ndestroska, enfin il y a vraiment une palette riche. Voilà, Julian Marley, que j'allais oublier pour le reggae, le groupe Aswad, enfin voilà. Merci. Je tiens à remercier la présidente et toute son équipe. Mais je voudrais surtout dire qu'un bébé n'est jamais seul. Il y avait beaucoup de personnes avec moi. Je vais dire deux personnes principales. Il y a Eddie Compère, mais il y a aussi Jacob. Jacob Desmarieux, que je vous remercie d'applaudir. Merci. Jacob, avant même d'être la première star du festival, c'est lui qui a accepté parce qu'on n'avait pas du tout d'argent à l'époque. C'est un festival qui a commencé petit et il a accepté de venir pour très 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 peu d'argent, d'être la seule grosse star de l'époque. Il est resté 3 jours avec nous. Mais avant ça, nous avons travaillé ensemble sur la nécessité de mettre en avant le blues de la canne. On n'avait pas encore le nom. Et au départ, c'était celui de Mariana, celui du Missouri, du Mississippi, celui du Sénégal, terre de blues. Et je crois que mieux que terre de blues, terre de blues est beaucoup plus approprié. Merci d'avoir retenu cette partie-là pour le terre de blues. Merci à Jacob encore et j'espère qu'il va nous accompagner de la roulée avec Patrick et les autres. Bonjour Pierre-Éloire Lessimus, vous êtes le parrain de cette 21e édition. Êtes-vous honoré et est-ce important pour vous de parrainer cette nouvelle édition? Mais c'est avec beaucoup de bonheur que je suis parrain de cette édition. Et vraiment, c'est une belle édition. Et venez, parce que c'est vrai qu'il n'y a plus de voitures, il n'y a plus de logements, mais il y a des places pour les tentes, ce sera un beau week-end. J'ai accepté parce que je ne sais pas si c'est souvent qu'un papa est parrain de son bébé. Et là, je voulais montrer qu'en Guadeloupe, tout est possible, l'impensable devient possible. Quand on sait se mettre ensemble, c'est l'union qui fait la force et le respect réciproque, bien sûr. Merci beaucoup.